Je pense pouvoir dire que mon coup de foudre littéraire, c'était Boris Vian. Pour ceux qui le connaissent, il y a vraiment un travail du mot, il y a beaucoup de néologismes, d'expressions prises au pied de la lettre, il y a tout un jeu, c'est très important le jeu qu'il y a là autour. À 15 ans, c'est vrai que c'est ce qui m'a marqué, en fait, ça m'a ouvert tout un univers dans lequel je me suis engouffrée joyeusement. Et depuis, effectivement, je trouve qu'au centre du livre, c'est quand même le mot qui parle. L'écrivain est tributaire du mot. Parfois, on trouve qu'une phrase elle sonne bien, est jolie, alors on la note. Mais après, elle nous emmène dans un univers auquel on n'avait pas songé. Par exemple, au début du livre, je fais intervenir... pour vous donner un petit exemple. Ouais. Par exemple, je dis... Ouais, alors, c'était à la fois peu et beaucoup, un baluchon et une maison tout entière. Des motifs de son départ, nous ne saurons rien. Alors bon, cette phrase, je l'ai écrite comme ça, je la trouvais qu'elle sonnait bien. Mais du coup, ce « nous ne saurons rien », ça va impliquer une sorte de narrateur extérieur qui va prendre le lecteur par la main, enfin une personne qui va en fait conduire un peu tout ce récit. Donc du coup, à la cinquième ligne, il y a ça. Ça veut dire que pendant tout le reste du roman, je dois réintroduire cette figure et ça va forcément donner une autre teinte au livre que si je n'avais pas mis cette phrase. Donc, pour vous dire, un mot va amener le lecteur dans une voie, enfin l'écrivain dans une voie auquel il n'avait pas pensé. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on est tous les jours, l'écriture est une aventure pour l'écrivain tous les jours parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver. On est souvent mené par les mots. Quand vous commencez une histoire, vous ne savez pas où elle va vous mener forcément. Alors, je connais toujours en général la fin. Je connais l'ambiance, mais effectivement, je ne connais pas les épisodes de l'intérieur. Ce qui va se passer, il n'y a qu'une idée vraiment très, très générale. Par exemple, dans les accessoires pour le paradis, ça commence par, c'est un docteur, le docteur Harberg, qui est à la table, qui mastique son rôti. Et puis, il ne peut voir qu'à droite, soit sa femme, qu'il ne peut plus voir, soit le golfe du 18 trous. Qu'il frustre parce qu'il n'arrive jamais au 18e trou. Et puis là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une phrase il y a peu, il y avait encore ses enfants. Alors, je ne sais pas pourquoi cette phrase m'est venue, mais du coup, il a bien fallu que ses enfants aient en faire quelque chose. Et puis, si des enfants disparaissent, c'est qu'il y a un truc grave. Donc, la recherche de ses enfants est devenue une des choses fondamentales du roman. Tout ça parce que je m'étais laissée aller à une phrase que je n'ai pas envie d'enlever. Ouais. Donc c'est souvent... Ouais, c'est... Et puis, il y a des jeux avec des mots, enfin, les néologismes. Il y a aussi quelques néologismes. Mais permettre de créer un univers, forcément, quand vous inventez vos mots, vous créez aussi un univers particulier. Il y a tout ce qui est la polysémie qui m'intéresse. Par exemple, il y a le mot papillon là, dans ce livre-là qui est important. C'est donc Modeste, pour faire de la publicité pour son atelier, il va créer des papillons, donc au sens flyer, d'ailleurs, qui volent. Et puis, ces papillons, en fait, dans le chapitre d'après, ça va être... Enfin, il y a une femme qui va arriver avec un papillon derrière le dos et il va penser que cette femme est un papillon au sens insecte du terme. Donc on joue sur ces deux sens du mot papillon. Et du coup, cette femme, dont je ne savais rien à la base, va devoir prendre des caractéristiques du papillon, forcément. Donc l'écrivain, je vais devoir m'adapter à cette idée de papillon. Donc elle va être translucide, elle va pouvoir s'échapper quand elle veut, enfin, elle va avoir quelques caractéristiques comme ça. Donc, ouais. Et puis la polysémie donne aussi la richesse, et pour l'auteur, mais aussi pour le lecteur. Par exemple, dans le syndrome de la tête qui tombe, qui était l'histoire d'une boîte qui licencie à tour de bras des têtes, il y a le mot, justement, je n'utilisais pas le mot licencier, mais j'utilisais le mot remercier, qui est quand même le comble de l'ironie, puisque c'est à la fois dire merci et à la fois licencier des gens. Et en ne précisant pas le français, me permet justement de ne pas préciser si ces employés vont être remerciés ou licenciés. Alors la plupart attendaient des gratifications, attendaient des cadeaux, et puis en fait, ils sont licenciés. Et la fin du livre, on ne sait pas justement lequel des deux choisir. Alors bon, dans les traductions qu'il y a eu du livre, ça a été plus difficile d'amener cette notion. Mais pour l'auteur, ça donne évidemment un champ plus vaste pour y créer. Et puis pour le lecteur, ça lui donne aussi tout un espace pour imaginer ce qu'il veut imaginer. Ouais, comme pour Monsieur Highland, moi j'avais pas pensé à cette solution-là, donc aussi parce que c'est polysémique comme mot.